Bonjour à tous, bonjour Robbie Thompson. Bonjour Ambre Gorion, hello everyone. Bienvenue ici en direct du centre Ouredou. Alors aujourd'hui, un très beau programme avant la deuxième journée de Ligue 1 qui demain, du côté du Parc des Princes, et ça fait plaisir, opposera le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino au RC Strasbourg, Robbie. That's right, first home match of the new season, the 2021-22 campaign. The Parc des Princes and the fans will be back. Paris Saint-Germain versus Strasbourg, 9 p.m. Saturday night. You won't want to miss that one. Et oui, un beau programme, promis, on va vous donner tout le détail. Mais d'abord, vous le voyez, sous le très beau soleil de cette capitale, nous sommes ici en direct du centre Ouredou. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le terrain juste derrière nous, c'est parce qu'on va vous permettre de partager avec nous en direct le premier quart d'heure de l'entraînement des Parisiens. Et évidemment, avec les recrues, on l'espère qu'ils vont sortir sur le terrain. Enfin, pour ça, on croise les doigts. Absolutely. Speaking of what has been a big week, there's plenty of media here in attendance for this first live training session of the season here at the Ouredou Training Centre. 15 minutes live training for you at home as well. Ambre, Wednesday was a big day already. It's continuing here. There's plenty of attention, plenty of media frenzy because it's all about this Paris Saint-Germain squad and the attempt, the title race to try and win that 10th Ligue 1 title. Et oui, 5 recrues, hein, pas moins de 5 recrues. On parle de Wijnaldum, d'Achraf Hakimi, de Donnarumma, Sergio Ramos, évidemment, et Léo Messi. C'est vrai qu'on a présenté mercredi avec une journée complètement folle du côté du Parc des Princes, autant médiatiquement que tout le reste, en fait, sportivement. C'est quelque chose de génial pour le club de la capitale. Toutes ces recrues, justement, elles seront présentées demain du côté du Parc des Princes, Robbie. Exactly. Tomorrow night, there's a big plan in place to present all 5 summer signings for Paris Saint-Germain before this first home match of the season. We're expecting 45,000 in attendance at the Parc des Princes. That's going to be something very special after an entire season played more or less behind closed doors. And tomorrow, gates open at 6 p.m, 3 hours before kickoff, at 7:30, so an hour and a half before the match, all 5 summer signings will be presented to the public. So make sure, if you're in Paris and coming to the game, get there early. Sergio Ramos, Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi, Gini Wijnaldum, and of course, the latest man to arrive in Paris, Léo Messi, will all be presented before the match at the Parc des Princes. Robbie, c'est même à 18h que vont ouvrir les portes du Parc des Princes, à 18h, donc 2h avant le coup d'envoi, et pour vous donner un petit programme, à 19h30 seront présentés les recrues, mais avec Robbie, on prendra l'antenne dès 19h pour vous plonger dans la rencontre, plonger dans ce match et cet événement aussi, la réception des Alsaciens qui compte évidemment pour le compte de cette deuxième journée de Ligue 1, mais évidemment, tout ce qu'il se passe autour, notamment au niveau du mercato francilien. À partir de 19h, on aura des super invités, des surprises pour vous. 19h30, on l'a dit, les recrues et puis ensuite l'échauffement, etc. Et à 21h, le coup d'envoi. Even if you're at the Parc des Princes, make sure on your phone, it'll be on the big screen, the pre-game show. Si vous n'y êtes pas, allez sur PSG Télé. Absolutely. C'est ça la consigne. That's it. But before then, there's the advertisement done, the commercial for tomorrow. Before then, we've got live training coming up for you, 15 minutes. And at 2 o'clock later today, we'll have the pre-match press conference as well with Mauricio Pochettino ahead of the game. There'll be plenty of journalists in attendance for that one as well. We can see the players who have just had a little warm-up out pitch side, gone inside, changed their boots. And they are now coming out for the real outdoor training session. Et oui, du coup, les joueurs commencent à sortir. Vous entendez peut-être le son des clics-clacs de tous les journalistes qui sont présents juste en bas. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Clairement, il y a un attrait médiatique aujourd'hui sur le club de la capitale. On va pas se mentir. Alors, ils vont sortir. Comme le disait Robbie, il y a eu un petit échauffement en bas. Donc, on peut déjà vous dire des joueurs qui sont présents. Et ça fait plaisir. Des joueurs comme Ron Bernat qui sont là. That's Presnel, you can always hear. Évidemment, always Presnel, vous voyez peut-être les gardiens également, ils sont au nombre de 4. On voit Keylor Navas, Sergio Rico, Denis Franchi et donc Gigi Donnarumma, à savoir est-ce que qui pourra jouer ou pas. En tout cas, l'entraînement collectif, les Sud-Américains notamment et les Italiens, que ce soit Marquinhos, Neymar, évidemment, du coup, Messi, Paredes, Di Maria, Verratti ou Donnarumma, ces joueurs en tout cas, ils sont a priori disponibles, Robbie, ils vont faire la séance aujourd'hui. Est-ce que demain ils participeront face au choc des hommes de Julien Stéphan? Ça c'est une autre histoire et ça appartient à Pochettino. There we can see Neymar is out there on the pitch, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé as well. So there's plenty of quality out on that football pitch as well for this second game of the season. Paris Saint-Germain, who started the campaign of course with a win over Troyes by 2-1. And then Achraf Hakimi getting a goal on his Ligue 1 debut. Mauro Icardi getting the second as well, as Paris came from behind to win that. Strasbourg,
Paris Saint-Germain are undefeated in their history at the Parc des Princes against Strasbourg. A fantastic 30 matches at the Parc in all competitions. En Ligue 1. In Ligue 1, without defeat. C'est vrai que c'est un record absolu dans l'histoire de l'élite. Le Paris Saint-Germain qui a réussi à maintenir son invincibilité du côté du Parc des Princes face aux Strasbourgeois dans le cadre du championnat. C'est absolument exceptionnel. On sait que Pochettino va tout faire pour le conserver demain. Et c'est vrai, la saison a plutôt bien commencé et les joueurs ont insisté sur ça. Après avoir laissé échapper le titre et l'hexagone d'un tout petit point face aux Lillois lors de la dernière journée de Ligue 1, ils ont à cœur de prendre leur revanche et d'aller chercher leur 10e sacre hexagonal. Et donc pour ça, il va falloir cette année bien commencer la saison. Et ben ça a plutôt bien commencé face à 3 avec une victoire 2-1. Tandis que du côté des Alsaciens, Roby, ils sont tombés pour leur première journée face à Angers. That's right, they lost 2-0 to Angers in their opening game. And there was also a certain Kevin Gamero who came off the bench in that match in the second half for his return to Strasbourg, the former Paris Saint-Germain player, of course. And Ambre, if you like, at some point during this life, I have a little stat for you as well about tomorrow's game. Ah, bah on va aller chercher ces stats. Je regarde qui est présent là, vous voyez peut-être avec la caméra. Alors pour l'instant c'est un petit échauffement, mais on voit des joueurs, alors c'est à signaler, qui ont été, parce qu'on parle beaucoup du mercato, il y a également des joueurs qui sont partis, notamment en prêt, hein. On salue d'ailleurs, on souhaite une très belle saison à Timothée Pembele qui a officialisé son prêt, mais c'est le cas de Bulka, c'est le cas de Areola, mais nous on enregistre également les retours, et là on les voit, de Dina Ebimbe ou d'Arnaud Kalimuendo. Et oui, les jeunes, ils ont toute leur place, il y a du nombre aujourd'hui, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes du centre de formation, hein. Yep, absolutely. A lot of players out there, a lot of the young kids from the academy as well, who have proved in the pre-season that they have the quality to have their place at Paris Saint-Germain. And just talking about all those names that Ambre was mentioning beforehand, those players that made finals of continental competitions, well, they're all there, including Lionel Messi, who's out there on the training pitch at the moment with the rest of the squad for the warm-up. There's Neymar there as well. Marco Verratti is there. Marquinhos, I saw Angel Di Maria, Leandro Paredes. So all the finalists of the competitions are there. But yes, Lionel Messi is training as well. Kylian Mbappé is there. Pablo Sarabia, a Euro semi-finalist. Ouais. En revanche, on peut aussi dire ceux qui sont absents. Alors c'est vrai, à signaler, s'il y a beaucoup de photographes, ça n'est pas anodin avec la présence de Léo Messi directement à l'entraînement lors de sa conférence de presse de présentation. D'ailleurs, il avait bien dit qu'il avait hâte de commencer l'entraînement. Il a besoin d'une prépa physique avant de commencer les matchs. Après avoir quitté le FC Barcelone et officialisé son arrivée ici. Mais en tout cas, il participe déjà aux séances collectives. En revanche, ceux qui, pour l'instant, font du travail individuel de reprise, Roby, il s'agit toujours de Ramos, d'Alo qui a été touché à la hanche, de Dagba à la cheville et de Letellier aux adducteurs. That's right, Letellier, Alex Letellier, the third choice goalkeeper, still missing. Teddy Alo, sidelined with a hip. Sergio Ramos, calf, and Colin Dagba, all working their way back to fitness as well. Juan Bernat, though, is there and working his way back to full fitness as well. Shall we leave it there, Ambre, and we'll be back at the end of training. Bah, il fait beau, il y a des joueurs, du beau monde, c'est parfait. Un bel entraînement du Paris Saint-Germain en veille de match. Je propose qu'on vous laisse un petit peu profiter. What more could we ask for? Ah, franchement, rien d'autre. Et j'ai même Roby à mes côtés, c'est absolument parfait. On vous laisse profiter et on vous retrouve à la fin de cet entraînement. À tout de suite. Thank you.
Et voilà, on arrive au terme de ce quart d'heure d'entraînement. Vous voyez les joueurs qui font un taureau. Alors, on a des belles nouvelles aussi, c'est qu'on a, aperçu Idrissa Gueye qui donc fait son retour de protocole sanitaire. Il était évidemment touché par le Covid-19, il est bien avec le groupe. Donc, il y a des belles nouvelles, il y a Juan Bernat, il y a Léo Messi, il y a Idrissa Gueye. Il y a des joueurs qui sont de retour. Hein. Absolutely, no, it's very good. We've got just a couple of minutes left then in this live 15 minutes of training here before tomorrow night's match day 2, Ligue 1 clash at home at the Parc des Princes against Strasbourg. Lionel Messi is there. We know that's what many of you want to hear. That doesn't mean, of course, that he will play any part tomorrow evening. And Idrissa Gana Gueye, however, is there, and that's great to see back after COVID as well. So nearly a full-strength squad for Mauricio Pochettino, at least out on the training pitch as well, which is great to see. Et oui, parce qu'on voit également, alors dans les cages, et vous le voyez peut-être pas, mais il y a Donnarumma qui s'entraîne actuellement avec Keylor Navas, Sergio Rico et Denis Franchi. Sur le terrain, on a pu voir Achraf Hakimi également. Donc il y a également Wijnaldum, Gini qui est bien présent. Sergio Ramos, lui, effectue toujours sa reprise en salle.
Il y a du beau monde, c'est vrai, pour la réception de Strasbourg. Demain, deuxième journée de Ligue 1. Roby, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Donc d'abord, la journée est très loin d'être finie. À 14h, conférence de presse du coach Mauricio Pochettino. Et demain, donc cette deuxième journée entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, ça se passera à 21h. Mais avant, un beau programme. Ouverture des portes à 18h. Ensuite, Roby, à partir de 19h, notre live d'avant-match avec des invités de prestige pour vous accompagner jusqu'à 19h30, la présentation des 5 recrues. Et puis ensuite, on reprend l'antenne. On vous amène jusqu'à l'échauffement à Champ. Et puis après, le match, le spectacle. Et là, ça commence la saison et les retrouvailles avec les supporters quand même. It's never going to end now. A 47th consecutive season in French Ligue 1 for Paris Saint-Germain. The only side in the top flight never to have been relegated since they first arrived. Yes, tomorrow night is going to be special. Gates open at the Parc des Princes at 6 p.m. PSG TV live from 7 p.m. 7:30 French time, all of this Paris time. The 5 summer signings will be presented to the fans. So if you're coming to the stadium, make sure you're there early enough. Otherwise, you'll catch it all on PSG TV as well. Donnarumma, Hakimi, Rico's already there. Ramos, Wijnaldum, and of course Leo Messi, all to Mais be presented. Mais on s'y perd tant il est prestigieux exactly. ce plateau and de recrues. Too many Leos as well. We've got ouais. Leos left, right, and center now as well. But it's great. We love our Leos. Non mais no et puis problem. Le mercato n'est pas fini. On ne sait pas. Exactly. Donc posez le mercato pour l'instant provisoire. Mais bon, calmez-vous quand même. On a the déjà game. The game at 9 p.m. Ouais. and then after the game as well. Match reports, post-match interviews, everything you need on PSG.fr. I promised a little stat very quickly. Ambre, if he plays. Tomorrow night will be the 150th Ligue 1 appearance for a certain Kylian Mbappé. 107 goals. Mais moi j'ai une stat in those 150 pour compléter ça. Si demain il joue, Kylian Mbappé jouerait son 150e match de Ligue 1, Roby, eh bien personne n'a été plus décisif que lui après 150 matchs. Exactly. Il y a un certain Zlatan Ibrahimovic qui tutoie les statistiques, mais bon. Exactly. Zlatan was c'est tout pour nous. But that's it from us. Il faut qu'on les laisse bosser en toute intimité. Ça prépare la tactique demain, réception Strasbourg. On se donne de toute façon rendez-vous sur PSG Télé tout à l'heure à 14h pour la conf du coach. Ça that's va, right. Roby? Press conference coming up at 2 o'clock. Game tomorrow. All of it here on PSG TV. Thank you, Ambre. Merci, Roby. Ciao. Bye-bye.